Okamekuyo. Okamekuyo. Ena ela kota pe. Lago o. Okamekuyo. Genèse chapitre 39 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu comme je suis qu'on est pris par le temps. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Béni sois-tu Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée pour ton peuple ce matin. Je prie que tu disposes des cœurs, que tu ouvres les cœurs des uns et des autres. Au nom puissant de Jésus, toi qui as les paroles de la vie, toi Jésus-Christ qui as les paroles de la vie, toi Jésus qui as les paroles de la vie, que cette parole de la vie-là nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu as les paroles de la vie. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est le thème de mon message de ce jour. Bien aimé, ce passage-là nous parle de Joseph. Joseph était un jeune homme. Il était le cadet d'une famille. Une famille sur laquelle Dieu avait déposé sa grâce. Une famille que Dieu avait choisie. Et Dieu a prophétisé à Joseph. Il lui a dit, je te leverai et je te placerai au-dessus de tous dans ta promotion. Dans ta famille, tu seras l'instrument, tu seras la lumière, tu seras celui qui sera au-dessus de tout. Dieu a donné la révélation à Joseph. Alléluia. Et quand Joseph a partagé cette révélation avec ses frères, il y a une jalousie qui est née. Et ils se sont dit, comment toi le plus petit, tu oses nous dire que tu seras élevé au-dessus de nous. Et à partir de cet instant, Joseph a commencé à connaître beaucoup de difficultés. Ses frères qui le jalousaient ont commencé à lui faire beaucoup de mal. Et ils l'ont même vendu en esclavage. À la suite de ça, il se retrouve chez quelqu'un qu'on appelle Potiphar. Et la grâce de Dieu était sur Joseph. De sorte que même étant en esclavage, Dieu a fait en sorte que son patron qu'on appelait Potiphar l'a pris en admiration, l'a aimé. Et Potiphar l'a établi sur toutes choses. Potiphar lui a confié toute sa maison, alors qu'il n'était pas égyptien, alors qu'il était un israélite et qu'il était esclave. Donc Potiphar, par la grâce de Dieu qui était sur Joseph, il confie sa vie, il confie ses sociétés, il confie toute sa maison à Joseph. Et il lui dit, je t'établis sur toutes choses, tu peux toucher à toutes choses, à l'exception de mon épouse. Donc Joseph avait le pouvoir et il avait l'autorité sur toutes choses dans la maison de Potiphar, sauf la femme de Potiphar. Mais curieusement, cette femme-là aussi, elle a regardé tout le monde dans la maison. C'est de Joseph dont elle est tombée amoureuse. Et la Bible dit, chaque jour, elle harcelait Joseph. Chaque jour, elle s'arrangeait en sorte que Joseph se retrouve seul dans la maison avec elle et elle lui dit, couche avec moi. Elle lui dit, viens avec moi. Elle lui dit, considère que tu es Potiphar et ayons des relations et ayons des rapports. Et la Bible dit, chaque jour, Joseph refusait. Alléluia. Et un jour, la femme de Potiphar s'assure que tous les travailleurs sont absents. Elle s'assure que ce jour-là, il n'y a personne dans la maison. Elle enferme Joseph dans la chambre et elle lui dit encore une fois, couche avec moi. Et la Bible dit, Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar en prenant soin de lui dire, comment ferais-je un si grand mal? Et comment pécherais-je ainsi contre Dieu? Bien-aimé, ce message, ce passage nous enseigne deux choses. La première chose, comme l'a dit Joseph, le péché est une chose grave.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, dans une société. Et dans cette société-là, le monde veut nous convaincre aujourd'hui que le péché, ce n'est rien du tout. Le péché est une chose banale. Le péché, soit dit en passant, c'est tout ce que tu fais et qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais et qui est contraire à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, tu n'es pas menti. Si tu mens, c'est un péché. Donc tout ce que nous faisons et qui vient choquer la parole de Dieu, qui vient contredire la parole de Dieu, c'est cela le péché. Et le monde aujourd'hui veut nous apprendre, veut nous enseigner que le péché, ce n'est rien du tout. Le monde aujourd'hui veut nous enseigner que faire le contraire de ce que Dieu dit là, c'est rien du tout. Alléluia. De sorte qu'aujourd'hui, les hommes n'ont pas peur de pécher. Autant que nous sommes, nous savons exactement ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible par cœur. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme sa loi. Donc, lorsque nous naissons, Dieu nous a créés avec sa loi dans notre cœur, avec sa parole dans notre cœur, de sorte que lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu, nous savons, on sait. Personne ne nous a appris que voler est mauvais, mais nous tous, on sait que voler n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Alléluia. Nous tous, nous savons que tuer n'est pas une bonne chose, mais on ne nous a pas appris que tuer n'est pas une bonne chose. Nous sommes tous nés avec en nous cette connaissance du bien et du mal. Donc, nous savons exactement ce que Dieu veut. Donc, nous ne péchons pas par ignorance. Nous savons exactement ce que Dieu acclame et ce que Dieu condamne. Mais aujourd'hui, le monde a réussi à nous faire convaincre, a réussi à nous convaincre que le péché, là, ce n'est rien du tout. Joseph a dit, c'est une chose grave. Il a dit, comment ferais-je une chose aussi grave? Comment ferais-je quelque chose d'aussi grave aux yeux de Dieu? Bien-aimé, ce matin, alors que la nation ivoirienne est en train d'aller vers le chaos qu'on a prophétisé depuis combien d'années, je veux t'appeler ce matin à te ressaisir. Je veux t'appeler ce matin à te réveiller. Je veux t'appeler ce matin à comprendre une chose. Le péché est une chose grave. Toute désobéissance à la parole de Dieu est une chose grave. Ce n'est pas une chose banale. Même si le monde aujourd'hui est arrivé même à nous amener à comprendre qu'il y a des péchés qui sont millions. Le monde aujourd'hui est parvenu à nous enseigner, à nous convaincre qu'il y a des péchés, mais qui sont millions. Qu'il y a des péchés, mais qui sont millions. Qu'on peut violer la parole de Dieu, mais c'est millions. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'est-à-dire que tout le monde fait. Et donc, comme tout le monde fait, Dieu a fini à s'habituer à ça. Et donc, Dieu n'est plus fâché avec le péché. Le péché n'est plus une chose grave. Dans ces temps de la fin, le monde a réussi à mettre dans nos cœurs que le péché n'est pas une chose grave. Bien aimé, en tant que pasteur, mon rôle c'est de vous dire ce que Dieu dit. Quand la société veut vous entraîner dans une chose, mon rôle c'est de vous ramener à la raison pour vous dire, n'écoutez pas ce qu'on dit autour de vous. N'écoutez pas ce qui se fait autour de vous. Le péché est une chose grave. Tout péché est une tentative de renverser Dieu pour établir Satan. Tout péché est une tentative de faire avancer le royaume de Satan au détriment du royaume de Dieu. Chaque péché que nous commettons est un combat contre le règne de Dieu. Le péché est une chose grave. Le péché est grave. Le péché n'est pas une chose qui ne fait rien. Chaque mensonge, chaque désobéissance, chaque attitude contraire à la voix de Dieu, c'est une affaire grave.
Alléluia. Ne vous habituez pas au péché. Ne laissez pas le monde vous transformer. Ne laissez pas le monde vous diriger. Ne laissez pas le monde vous façonner. Si le monde dit que le péché n'est pas grave, vous, en tant que des enfants de Dieu, vous devez toujours avoir en tête que le péché est grave. Le péché est une chose grave. Désobéir à chaque parole de Dieu, désobéir à chaque virgule de Dieu est une affaire grave. Dieu regarde cela comme une affaire grave. C'est une affaire grave aux yeux de Dieu. Et vous devez avoir cette conscience-là en vous, que le péché est une affaire grave. Aujourd'hui, vous voyez, dans le monde, la gravité d'une faute ou d'une action se voit par rapport à la sanction qui est attachée à cette faute-là. Même le monde nous enseigne, lorsque tu commets une action dans le monde et que cette action-là n'est pas grave aux yeux du monde, on ne te sanctionne pas gravement. Si tu viens voler 10 francs, même si la police te prend, les policiers même, ils auront compassion de toi. Parce que dans leur échelle de valeur, voler 10 francs, ce n'est rien du tout. Mais si tu tues un homme, tu auras toute la police qui va se mobiliser pour te rattraper. Et peu importe le temps que ça fera, la police va te courir après pour te rattraper. Et la sanction attachée au meurtre, au fait de tuer une personne, c'est au moins 20 ans de prison. Donc, la façon dont la faute est sanctionnée te fait comprendre que tuer l'homme est une affaire grave. Alléluia. Ça te fait comprendre que tuer l'homme est une faute grave. C'est la même chose dans la marche avec Dieu. Sauf que chez Dieu, il n'y a pas de petit péché. Chez Dieu, il n'y a pas de petit vol. Et il n'y a pas de petit meurtre. Le péché reste le péché devant Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu est une affaire grave. C'est un tremblement de terre. C'est comme l'apocalypse devant Dieu. C'est comme la fin du monde. C'est comme une tentative de renverser Dieu pour établir Satan. C'est comme une tentative de détruire le royaume de Dieu pour imposer le règne du diable. C'est comme ça que Dieu voit le péché. Et aujourd'hui, le monde entier est dans les problèmes. Pourquoi? À cause d'un seul péché. Le péché d'Adam et Ève. Parce que Dieu leur a dit, mangez tout ce que vous voulez dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ne touchez pas. Et parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, et qu'ils ont simplement mangé les fruits de ce arbre-là. Donc, ils ont violé la parole de Dieu. Regardez le problème dans lequel l'humanité se trouve depuis le commencement jusqu'à la fin. À cause du péché d'Adam et Ève, aujourd'hui, la Bible dit dans Romains 3, verset 23, que le monde entier est privé de la gloire de Dieu à cause du péché d'une seule personne. À cause du péché d'Adam et Ève seul, lorsqu'un enfant naît aujourd'hui, et qu'il commence à avoir l'âge de raison, qu'il commence à connaître le bien et le mal, et qu'il est capable d'accepter ou de refuser Jésus, il est déjà sur la voie de la perdition. Tous nos enfants que nous mettons au monde là, quand ils commencent à être conscients, ils sont sur la voie de l'enfer. Ils n'ont rien fait, mais ils sont sur la voie de l'enfer. Ils n'ont rien fait, mais ils sont sur la voie de l'enfer. C'est pourquoi quand ton enfant commence à avoir l'âge de raison, il faut commencer à prier pour lui. S'il meurt à 9 ans, à 10 ans sans Jésus, alors qu'il a l'âge de la raison, il s'en va en enfer. Il n'a rien fait, mais il s'en va en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'humanité tout entière est privée de la gloire de Dieu. Ça veut dire, le monde entier est regardé par Dieu comme étant des pécheurs. Tous, enferme-le dans une maison. Depuis sa naissance, enferme-le dans une chambre. Sors-le 15 ans après. S'il ne connaît pas le Seigneur, qu'il meurt, là, il va en enfer.
Parce que tous ont péché. Quand Adam et Ève a péché, la Bible dit nous tous on a péché. Donc nous tous, nous sommes sur la route de l'enfer. Dieu a condamné l'humanité tout entière à cause du péché d'une seule personne. Les milliards de personnes vont en enfer chaque jour à cause du péché d'une seule personne, Adam et Ève. Vous avez vu comment Dieu sanctionne le péché. Ça vous dit comment aux yeux de Dieu le péché est grave. C'est pourquoi Romains chapitre 6, le verset 23 dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu sanctionne le péché par la mort. Dieu sanctionne le péché par la mort. Si tu vis dans le péché, la mort t'atteindra. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. La mort t'atteindra. Car la récompense du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc, voyez comment Dieu sanctionne le péché. Voyez la sanction que Dieu a prévue pour le péché. C'est dit que le péché n'est jamais mignon. Le péché n'est pas une chose mignonne. Le péché n'est pas quelque chose qu'on fait pour montrer aux autres qu'on est à la mode. Aujourd'hui, tout le monde ment. Personne n'est affligé par le mensonge. Le monde a réussi à nous convaincre que le mensonge, ce n'est rien du tout. Le monde a réussi à nous convaincre, même nous les chrétiens, que mentir, ce n'est rien du tout. Jusqu'on a changé même le nom du mensonge. On appelle ça maintenant, c'est de l'humour. Il y a des gens dont le travail est de mentir. Et nous, on appelle ça, c'est des humoristiques. Ce n'est pas des humoristiques. Il y a déjà dit ici, vos humoristiques là, s'ils ne se répondent pas avant de mourir, il n'y a pas un qui ira au ciel. Ils brûleront tous en enfer. Alléluia. Le mensonge reste le mensonge. Et le mensonge est grave devant Dieu. Peu importe la finalité. Peu importe que ça te rende une star. Peu importe que ça amuse les gens. Ça reste le péché. Et le péché est grave devant Dieu. Écartez-vous du péché. Ayez la haine du péché. Rejetez le péché sous toutes ses formes. Joseph a dit, comment ferais-je une chose aussi grave contre Dieu? Il était en esclavage. Il était esclave. Il était à l'étranger. Il a été vendu comme esclave. Mais il a été éduqué dans la conscience que le péché est une chose grave. Et il a dit non à la femme de Potiphar. Il a dit non. Il dit non. Non. Non, je ne le ferai pas. Joseph a eu la force de dire non. Pourquoi? Parce que dans son esprit, le péché était une chose grave. C'était pas une chose avec laquelle il fallait jouer. C'était pas une chose avec laquelle il fallait s'habituer. Joseph l'avait compris. Chrétien, réveillez-vous. On n'est pas chrétien en prenant ses réflexes dans le monde. On n'est pas chrétien en prenant cette direction dans la vie des païens. On n'est pas chrétien en voulant faire les choses comme les gens qui ne connaissent pas Dieu font. C'est même une ignorance très grave que de modeler sa vie en tant que chrétien sur la base de ce que des païens font. Les païens, dans la Bible, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont, la Bible les appelle des ténèbres. Peu importe leur niveau d'élévation, peu importe leur richesse matérielle, peu importe leur bénédiction terrestre, si tu connais pas le Seigneur, la Bible dit que tu es ténèbre. Et comment vous voulez que moi, que la Bible qualifie de lumière, je vienne regarder la vie des ténèbres pour modeler ma vie? Comment ça? C'est eux qui doivent nous tricher. C'est eux qui doivent dire
Je vois une lumière dans le quartier, c'est un chrétien. Il faut que je vois comme il vit pour faire comme lui. C'est pas l'inverse. Et donc, quand eux, ils disent que le péché, ça fait rien, nous ne devons pas nous inscrire dans ça. Nous devons condamner le péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons détester le péché. Chaque fumée de cigarette, chaque grain de drogue, chaque mensonge, chaque orgueil, tout ce qui va à l'encontre de Dieu, nous ne devons jamais prendre ça en fair play. C'est le péché et ça restera le péché jusqu'à la fin du monde. Peu importe la façon dont le monde appelle cela, ça restera le péché et ça restera une chose grave devant Dieu. Alléluia. Donc, ayons peur de péché. Enlevons cette mentalité-là en nous. La mentalité du non, c'est l'évolution. Un chrétien n'évolue pas. Un chrétien, il n'évolue pas. Un chrétien, il reste sur la parole de Dieu. Même si tu le prends, tu l'envoies en Chine, sur la lune, il reste un chrétien et il s'en va à la parole de Dieu comme sa constitution. Point final. Alléluia. Ne vous habituez pas au péché. Je vois même des chrétiens de foi, leurs enfants viennent dans leur maison avec leur petit ami. Que non, c'est le petit ami de ma fille. Tu as passé par où pour faire ça? C'est-à-dire que tu veux pécher, et puis comme je suis ton papa, moi je suis complice de ça. C'est impossible. Jusqu'à la fin du monde, c'est impossible. Alléluia. Le péché est une affaire grave. Ne vous habituez pas à ça. Rejetez le péché. Détestez le péché. Dites à Dieu de vous donner la haine pour le péché. C'est la seule chose que vous devez haïr sur cette terre. Haïssez le péché. Détestez le péché. Soyez triste quand vous voyez le péché quelque part. Lorsque quelqu'un se comporte mal, ne vous habituez pas à ça. Ayez mal parce que cette personne est en train de vouloir renverser le trône de Dieu. Et même si elle n'en a pas connaissance, elle est sur la voie de la mort. Au bout, c'est la mort. Le péché entraîne la mort. Car le péché est une chose grave. Sortez de vos histoires de petits amis là. Sortez de toutes les compromissions dans lesquelles vous êtes. Sortez de tous les mensonges. Sortez de toutes les abominations secrètes. Parce que c'est des choses graves que vous faites contre Dieu. C'est des choses graves aux yeux de Dieu. Et vous savez, avec Dieu, il y a deux choses. Devant le péché, il y a deux choses. Soit Dieu te pardonnera, soit il te jugera. Parce que le péché est tellement grave pour lui qu'en dehors de ces deux voies, Dieu n'oublie pas le péché. Il y a des gens qui font les choses et ils pensent que Dieu va oublier. Et ils pensent que parce qu'eux, ils ont oublié, Dieu va oublier. Dieu n'oublie pas le péché. Parce que le péché est une affaire grave devant lui. C'est une affaire d'état, si on peut dire ça comme ça. Donc Dieu, il n'oublie pas le péché. Soit tu te repentiras, soit Dieu te détruira. Et Dieu a plusieurs moyens pour te détruire. Ça peut être la maladie, ça peut être l'accident, ça peut être des choses, ou même la mort précoce. Mais Dieu n'oublie pas le péché. Donc, autant que cela dépend de nous, éloignons-nous de cette vie-là. Arrêtons d'être des chrétiens malhonnêtes, fouleurs, mélangés au monde. Arrêtons des chrétiens qu'on retrouve dans des endroits lugubres. Des chrétiens qui ont copines, qui ont maîtresses. Des chrétiens qui volent, qui détournent. Sortons de ça. Car le cœur de Dieu est attristé. Dieu ne s'habitue jamais au péché. Et il te dit, répands-toi. Répands-toi. Sinon c'est la voie de la mort. Je te dis la vérité. Répands-toi sinon c'est la voie de la mort. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu ne m'écoutes pas, tu mourras. Si tu ne te réponds pas du péché, tu mourras.
Car le salaire du péché, c'est toujours la mort. Alléluia. Alléluia. Joseph a dit, comment ferai-je un si grand mal? C'est non seulement un si grand mal, mais il a aussi dit, comment ferai-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Bien-aimé, écoute bien ce que je vais te dire. Le péché est certes grave, mais le péché, il est d'abord contre Dieu. Chaque désobéissance à la parole de Dieu, chaque péché que tu commets, en sachant exactement ce que Dieu te demande, chaque défiance à la loi de Dieu est d'abord un péché contre Dieu. Chaque vol que tu fais, que ce soit contre ton voisin, contre l'État de Côte d'Ivoire, peu importe, celui à qui tu fais le mal, c'est d'abord contre Dieu que tu pèches. Le péché est d'abord contre Dieu. Le péché n'est pas d'abord contre l'homme. Toute action que tu poses et qui est contraire à la parole de Dieu, tu es en train d'attaquer à Dieu. Même si celui contre qui tu fais, il ne sait pas, il ne voit pas, mais tu pèches contre Dieu. Le péché est contre Dieu. Le jour que j'ai compris ça, j'ai dit à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi à rester dans l'obéissance à ta parole. Parce que je ne vais pas avoir problème avec Dieu. J'ai même peur dans le secret de dire du mal à quelqu'un, de quelqu'un. J'ai même peur, même quand je suis seul, de même critiquer quelqu'un. Parce que la critique, la médisance, la calomnie, ça reste un péché. Et c'est d'abord contre Dieu. C'est contre Dieu. C'est à Dieu que tu t'attaques. C'est pas à l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, c'est moi le vengeur. C'est moi qui venge. Ouais, dans la Bible, Dieu s'est placé comme étant celui qui venge le mal. Et il dit, toi, ne te venge pas. Mais il dit, c'est moi qui rendrai la rétribution. C'est moi qui venge. Dieu, il est le vengeur. Pourquoi il est celui qui venge? Parce que le péché est d'abord dirigé contre Dieu. Si tu voles, que tu penses que tu es en train de voler ton patron, tu te trompes. Si tu es marié, que tu ne te soumets pas à ton mari, mais tu te trompes, Dieu va te détruire, femme. Parce que c'est Dieu qui a dit, femme, soumets-toi. Donc si tu ne respectes pas ton mari, tu es en train de pécher contre Dieu. Dieu va te détruire. Dieu va te détruire, je te dis la vérité. Donc quand tu comprends contre qui est dirigé le péché, ça te donne la force de te recadrer. Parce que la victime de ton péché, il s'appelle Dieu. Et lui, il n'oublie pas. Quand il y a eu la guerre en Centrafrique, j'ai déjà raconté ça une fois à certains ici. Il y a quelqu'un qui était dans la rébellion en Centrafrique. Et ce quelqu'un-là, il était militaire, il était méchant. Et lorsqu'on attrapait des gens, il coupait soit leurs mains, il coupait leurs pieds. Et puis pour lui, c'était un jeu. Vous savez, les militaires, malheureusement, dans l'armée, certains ont l'art de vouloir se faire passer pour les plus mauvais. Comme si c'était une bonne chose. Donc, il était reconnu comme tel. Il a coupé pied des gens, il a coupé. Et puis, un matin, il se réveille que non, lui, il a entendu l'évangile des denis chrétiens. On dit, ah d'accord, ok, on a compris. Il se trouve en France dans une église. Et ce jour-là, il y a un homme de Dieu qui est invité. Et pendant le temps de la prédication, l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, regarde, dans cette salle, il y a quelqu'un qui est ici. Quand tu étais dans le monde, voilà comment tu te comportais.
Tu coupais les pieds, tu coupais les pieds, tu coupais les bras, tu coupais les bras, ça t'amusait. Mais Dieu dit de te dire qu'aujourd'hui, là, il faut te lever. Tu vas te repentir devant tout le monde. Soit tu vas te repentir, soit ça va être la voie de la mort. Dès que tu sors de l'église, c'est ton corps qui va se retrouver dehors. Parce que Dieu n'oublie pas le péché. Dieu n'oublie pas le péché. Le péché, c'est contre lui. Le péché, c'est contre lui. Et je préfère avoir affaire à un homme que d'avoir affaire à Dieu. Donc, autant que je fais, autant que je peux dans ma vie, je m'efforce de rester tranquille à Dieu. Pour moi-même, mon bien. Je m'efforce d'être loyal dans mon mariage. C'est pour moi-même mon bien. C'est même pas pour ma femme. C'est même pas pour elle. C'est pour moi-même mon bien. Car je sais que le péché de l'adultère me détruira. Que Dieu me jugera sur mon adultère. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tout peut donner l'impression de prospérer autour de moi. Mais tant que je demeure dans le péché qui est contre Dieu, c'est juste une question de temps. Un jour, tout va se crouler. Éloignez-vous du péché, mes bien-aimés. Détestez le péché. Combattez le péché dans vos vies. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de gagner l'argent. Ce n'est pas une vie pour avoir avion. On ne devient pas chrétien pour avoir tout le quartier comme sa propriété. On ne devient pas chrétien pour voyager. On devient chrétien parce que on s'est rendu compte qu'avant on vivait une vie mauvaise devant Dieu. Et on a décidé, maintenant qu'on connaît la vérité, de se placer pour Dieu et d'avoir une vie qui réjouit son cœur. De ne pas être de ceux qui l'offensent, de ceux qui le blessent, mais d'être de ceux qui, quand ils regardent sur la terre, son cœur se réjouit. Il dit, regardez en bas là-bas. Regardez ma servante. Regardez mon serviteur. Regardez comme il est. Comme il a parlé de Job. Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu. Et c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Mais pour arriver à là, on doit comprendre que le péché est une chose grave. Et le péché, c'est contre Dieu. Et sors de ça. Sors de ça. N'attends pas qu'on te fasse la police. Car moi, je ne ferai jamais la police à personne. Dieu ne m'a pas établi pour être policier de quelqu'un. Dieu m'a établi pour prêcher la parole. Dieu m'a établi pour avertir ses enfants qui m'ont envoyé. Il m'a établi pour leur montrer le chemin de la vie. Et leur dit que telle voie conduit à la mort. Et c'est ce que je ferai. Si tu estimes aussi que le péché c'est une bonne chose, c'est toi qui vois. Si tu estimes que l'adultère, l'impudicité, le mensonge, l'orgueil, toutes ces choses que tu sais que Dieu condamne, c'est une bonne chose, c'est toi qui vois. Mais on a parlé à d'autres ici qui n'ont pas écouté. Quand ils sont morts, Dieu m'a montré qu'ils sont en train de brûler dans l'enfer, quoi qu'ils étaient des chrétiens. Ici, dans cette église ici. On a parlé à d'autres qui ont pensé qu'ils étaient plus sages, plus intelligents que Dieu. Ou ils ont pensé qu'ils auraient le temps de se repentir rapidement avant que le malheur n'arrive. Mais quand le malheur est arrivé, ils étaient dans un état où ils ne pouvaient même pas ouvrir leur bouche pour dire, Seigneur Jésus, je me répands. Parce que Dieu, il te punira. Tôt ou tard. Donc pendant qu'il est encore temps, écoute ma voix. Sors du péché. Sors du péché. L'église, c'est l'assemblée des saints. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'ancien temps, Dieu ajoutait à l'église
ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire, ils étaient sauvés dehors avant de venir à l'église. Parce que l'église, c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des gens purs. On ne doit pas trouver ces choses au milieu de nous. Il n'y a pas d'extraterrestres parmi nous. Nous sommes tous la même chose. Si un peut vivre une vie pure devant Dieu, c'est que toi aussi tu le peux. Si tu ne le peux pas, c'est que tu fais exprès. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Ce que tu fais là, tu fais exprès. Parce que si tu décides que c'est fini, c'est fini. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui et que tu dis, Seigneur, j'ai compris que le péché était une chose grave contre toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus pécher contre toi parce que tu as donné ta vie pour moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te crucifier encore une deuxième fois. Je prends l'engagement que telle chose, telle chose, telle chose, je décrète la mort de ça, c'est fini. C'est fini! C'est fini! Parce que le diable n'a jamais attrapé un homme pour dire, viens pécher. Satan n'a jamais fait ça. Vous avez déjà vu Satan qui a attrapé un homme pour dire, passe ici, il tire son pied, il tire son pied. Alors tu as forcé, tu as péché devant moi. Le diable ne le fait pas. Le diable, il t'injecte l'idée. Il te pousse. Il dit, regarde cette femme. Ouh, qu'elle est attirante. Regarde Pierre. Il place l'idée dans ton cœur. Et c'est à toi de dire, attirante ou pas. Dieu a dit, tu ne commettras point l'adultère. Dieu a dit, coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, ça s'appelle l'impudicité si tu n'es pas marié. Si tu es marié, ça s'appelle l'adultère. Et c'est à toi de dire, Satan, je ne fais pas ça. Alléluia. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi et de toi seul. La double vie que tu vis, voleur matin, droit le soir, saint dimanche, bandit le lundi, ça dépend de toi. Nous, on a fait notre part. Nous, on a crié, on a crié, on a crié. On a fait notre part. Si tu nous écoutes, Dieu te bénira, Dieu sera avec toi. Si tu ne nous écoutes pas aussi, tu auras les conséquences attachées à ça. C'est juste une question de temps. Moi, j'ai vu des milliardaires dans ce pays-là. Des gens que tout le monde enviait, mais qui étaient vautrés dans le péché. Moi, je les ai vus de mes yeux. Il y en a beaucoup sur lesquels j'ai posé ma main à peut-être 2-3 jours de leur mort qui sont venus me chercher. J'ai vu ça. Écoutez Dieu. Quand Dieu parle, écoutez. C'est la vérité. Le péché te donne un plaisir éphémère. Juste un plaisir éphémère. Peu importe ce péché. Peu importe le nom du péché. C'est juste un petit plaisir éphémère de quelques minutes. Juste quelques minutes. Juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Et après le péché. Et après le plaisir. Et après ça. Et après ça, lorsque dans Actes chapitre 5, je termine par là, à partir du verset 1 à 11, la Bible explique l'histoire de Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira ont vendu une plantation et au lieu de déclarer le prix total à Dieu, aux hommes de Dieu, ils ont caché une partie et ils ont juste déclaré une petite partie qui les arrangeait. Alors qu'ils croyaient avoir péché contre les hommes, avoir qu'ils croyaient avoir menti à l'homme, l'apôtre Pierre pouvait leur dire, pourquoi avez-vous commis un si grand péché contre Dieu? Ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu que vous avez menti. Chaque péché est contre Dieu. Et si tu attaques Dieu par le péché, Dieu t'attaquera également par son jugement tôt ou tard. Si tu ne réponds pas, si tu ne te réponds pas,
il t'attaquera par son jugement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre cela, de comprendre que le péché est une chose grave et que le péché est contre Dieu. Quand tu comprends que le péché est contre Dieu, tu n'as plus de force pour la rancune et pour la haine. Vous êtes affolé par ce que les gens vous font parce que vous n'avez pas compris ça. Le péché est contre Dieu. Moi, si tu me trahis, que tu m'insultes, que tu dis du mal de moi, c'est pas moi. Je ne cherche même pas à savoir ce que tu dis de moi. Mais Dieu l'entend. C'est contre lui le péché. Alléluia. Quand les gens sont mariés qui battent leur femme, qui font souffrir leur femme par exemple, ils pensent que c'est la femme ou bien le monsieur qui est là, que lui il les déteste trop, c'est ça. Non! C'est Dieu qui a établi ça. Donc d'abord c'est contre Dieu. Alléluia. Qu'un enfant est insoumis à son père et à sa mère, il ne défie pas son père et sa mère. Il défie d'abord Dieu qui a établi la règle. Quand un enfant n'honore pas son père, peu importe la faute de ce père, ce que Dieu te dit, il dit toi, honore-le. Quand tu rentres dans une défiance vis-à-vis de ton père, qui a l'autorité de Dieu, tu ne pèches pas contre ton père, mais tu pèches contre Dieu. Peu importe la façon dont le père a tort, Dieu te jugera, toi l'enfant, parce que tu as péché contre Dieu. Il t'a dit honore-le. Et tu as dit non, je ne l'honore pas, il ne mérite pas ça. Et tu t'es placé contre ton père ou ta mère. Dieu te jugera parce que ce péché, il est d'abord contre Dieu. Alléluia. Et quand Dieu va finir de te juger, toi, après, il va régler le compte maintenant de ton papa ou de ta maman qui ne s'est pas bien comporté aussi. Car le péché, il est d'abord contre Dieu, il n'est pas contre toi. Que Dieu vous bénisse. Anna, Anna, Anna et Jésus, oh, comme un couillot, oh, comme un couillot, oh, comme un couillot, oh, comme un couillot. Ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Anna, Anna, Anna et Jésus, oh, comme un couillot, oh, comme un couillot, oh, comme un couillot, oh, comme un couillot. Anna, la côte à paix. La go, oh,
kamekuyo. Ena ela kota pe, lago o kamekuyo. O kamekuyo, o kamekuyo, o kamekuyo, o kamekuyo. Jiti Jesus, oh papa oh, ne me laisse pas tomber. Je dis papa, eh hey, papa oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Inter premier, oh, premio, n'antoni que son oh, n'antoni que son oh, n'antoni que son plaît. N'antoine que son haut, n'antoine que son haut. Et qu'un toni moya poli, il m'a bouqué. Il y a pas un toni, il y a si un pipo. Il y a un licondi au connaître, n'antoine. Il y a un toni maya, n'antoine. N'antoine que son plaît, n'antoine que son plaît, n'antoine que son haut, n'antoine que son haut. Il t'a pour un plat haut. Antoine Kesson.